Salut tout le monde, salut à toutes et à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour un test du Xeno Junior Use avec le punch du Dreamfest V2 en compagnie de King Kong de la NXM. Merci encore à lui d'avoir participé pour cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester Santana et Naturezza et ensuite on va tester KHS Rouge et Naturezza sous full power. Donc on va faire deux tests en fait, une en première mi-temps et après en deuxième mi-temps. Bien sûr, je vais laisser passer volontairement pour les besoins du test notre ami King Kong. Donc je vais faire que des contre-blancs, comme ça il va pouvoir passer tout simplement. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, normalement je pense que le son il est carré. Donc voilà. Donc si vous n'entendez pas le son du jeu, c'est normal, je l'ai coupé volontairement pour vous entendiez mieux ma voix, les explications, tout ça, tout ça. Donc on va voir un peu ce que ça vaut, ce Xeno Junior Use, sachant que c'est un tueur de joueurs rouge, il a l'avantage couleur, il a l'intensité sur les TS. Après, il a des stats qui sont... On va pas se mentir, hein, les stats, c'est pas ça, hein, c'est pas ça ce Xeno, donc ça va être compliqué. Mais pour le fun, moi je voulais tester ça pour le fun, vu que j'avais déjà testé avec le punch du World Cup à l'époque, à 450. Après, j'ai fait les tests avec le catch du Dreamfest, avec LB Catch. Et ben maintenant, pour finir la boucle est bouclée, comme dirait l'autre, on teste le punch du V2 pour voir un peu ce que ça donne, tout simplement. Du coup, il avance, voilà, je vais le laisser passer, je fais juste un contre. Et du coup, il va pouvoir tirer avec le Full Metal Phantom Full Stam. Bon, je pense que la question, elle est vite répondue hein, avec Santana. Je pense que là, Full Stam, il devrait logiquement devoir l'éclater sans trop de soucis, logiquement. Je pense. Ça va faire très très mal. Hein. Xeno, prépare-toi, frérot, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, il y a King Kong qui me dit, ah là ça va être chaud, là, tu m'étonnes, ça va être chaud. Alors là je suis à quasiment 28-4 punch, Santana est à 31-500 comme vous pouvez le voir à l'écran, sauf que je suis à 638 d'intensité sur le punch, j'ai l'avantage couleur, mais à mon avis ça suffira pas je pense, ça va être compliqué. Allez Xeno, elle grande des Xeno. Aïe, 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 Xeno, il a pris la max, il s'est fait déchirer le fion. Aïe, aïe. En vrai, c'était sûr, comme dit King Kong, vous l'entendez pas King Kong, parce que j'ai pas pu enregistrer sa voix, mais en vocal, il me dit que c'était sûr, et c'est vrai, effectivement, c'était sûr, ça, il n'y a pas de souci. On va tester maintenant, tout simplement, Naturezza sans full power, ça aussi, ça va être plutôt intéressant. Donc, je vais faire dribble blanc, je vais redonner le ballon à notre ami King Kong, et on va voir ça ensemble. Hop. Je vais me mettre en défensif pour pas qu'il soit hors-jeu, tranquillement, voilà. Il est face au GOAT en plus, au R1 de monstre. Aïe, 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 ce monstre. T'as les stats. Aïe, aïe, les stats de ce cochon, quand même. Ça fait bizarre de jouer contre une team qui débuffe pas, d'ailleurs. Ah, c'est ça. Ouais, j'avoue. Allez, je te laisse encore avancer. Après, je pense que pour Santana, vu qu'il était au-dessus en stats par rapport au shoot et en plus le full metal qui monte hyper haut, c'était pas très étonnant au final. Là, on va... Ouais, c'est ça. Du coup, bah là, on passe sur Naturezza sans full power et après, on testera avec full power en deuxième mi-temps. Du coup, il monte à 34 000 quand même, le cochon, à hein, 34 000. Est-ce que Xeno, c'est de l'eau ou est-ce que Xeno, c'est El Grande des Isigno Allez, fais-nous rêver, Xeno. Xeno monstre, le vrai Xeno. Aïe, aïe, aïe. Il se prépare. Ikuze. Oh, magnifique. Oh là là, mais quel... Oh là là, mais Xeno. Mais ce monstre. Oh, ce monstre. Deuxième test. Attends, on va retester avec... Ah oui, c'est ça, mais le V2, c'est de l'eau, comparé à ce Xeno. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Attends, je te fais la passe... J'ai mal fait la passe. J'étais tellement impressionné par ce Xeno incroyable. Tu te rends compte que c'est un personnage qui date du 1 et le mec avait, et le mec il a calmé un V2, tu sais, au calme, Naturezza. Ah, il est chaud ce petit Xeno. Hein. Faut pas sous-estimer Xeno. Alors du coup, je vais dribbler King Kong, comme d'hab, et je vais te laisser retirer... Tu penses que t'auras assez stam pour la deuxième mi-temps, normalement? Ça deux.
pour un tirer au moins une fois, ouais, c'est ça, ouais, normalement, ouais. Ok, bah on va te laisser tirer encore une deuxième fois pour voir si c'était pas un miracle, parce qu'on connaît le jeu, bien sûr. Le jeu fait des dingueries des fois. Donc là, il va tirer à bout portant. C'est parti. El famoso Natureza V2. Super Saiyajin. Ah, il y a un crit en plus. Ah, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Bon, là, normalement, il y a but. Parce que le petit crit, vous connaissez, hein, ça fait la diff en général. Sauf si Zino, il se réveille, mais ça va être compliqué. Allez, Zino. Allez, El Monstro. Hermano des poders. Montre la puissance! Oh, il s'est. Oh, non, oh là là, il l'a arrêté! Magnifique le poteau qui a arrêté! Ouais, normalement, il y avait but, on va pas se mentir, il y avait but. Mais en vrai. Bah, du coup, on va faire tourner le ballon. Je te laisse garder le ballon pour la deuxième mi-temps. Donc, en fait, je pense qu'en vrai, sans full power, à bout portant, mais sans crit des deux côtés, je pense qu'il l'arrête quand même, globalement, Zino. Ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, effectivement. Donc 20, quasi 28 000 de punch, ouais, contre les rouges, ouais, effectivement. Donc ouais, c'est ça, avec 638 d'intensité. Ouais, c'est ça. Après, bon, bien sûr, bien évidemment, dans la vidéo, il est ultra situationnel, ce Zino. Il est clairement dépassé, on va pas se mentir, c'est clair. Mais c'était juste pour le fun, pour la science, voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis, quand j'ai voulu faire ce test, très honnêtement, je me disais, il n'y a personne qui va le faire, ce test. Donc, vu que je me dis qu'il y a... Ouais, c'est ça, il date le perso, donc ouais, c'est un peu compliqué. Bah, du coup, voilà, là, j'espère que j'aurai assez de. Si, je devrais avoir assez de stam pour faire deux, ouais, deux punch, je pense. Donc, du coup, là, on va tester KHS Bayern rouge une première fois et tester Naturezza sous full power. Et là, ça va être une autre histoire parce que Naturezza, il va être complètement fumé avec le full power. Donc, ça va être beaucoup. Là, ça va être dur. Allez, c'est parti. On lance la deuxième mi-temps. Et je pense qu'on aura fini les tests, je pense, clairement. Plutôt pas mal. Je pense que pour l'instant, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Donc si vous avez un doublon du V2, vous pouvez le sacrifier pour ce Zino. C'est le mec. Je plaisante, bien sûr, hein, dans la vidéo. Je plaisante. Mais c'est ça, il y a King Kong dans l'oreillette qui m'a dit ne faites pas ça chez vous. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais vous avez vu la puissance, la puissance de Zino Hernandez, Hermano no Zino, oh là là, le vrai Zino, le trou Zino. Aïe, 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 ça me fait rire ce test. Allez, c'est parti. Ah oui, pardon, excuse-moi, t'as fait rentrer Vulcan qui donne 3% de plus à KHS, il n'était pas assez pété comme ça à KHS. Ah oui, pardon. Excuse-moi, King Kong. Excuse-moi, King Kong. Allez, viens, viens ici. Là, très honnêtement, dans la vidéo, les amis, je pense qu'il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Parce que, vu qu'il est tué. Pas sûr. Ah, si. Ah, ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas fait attention, je t'avouerai. J'ai pas checké. Alors, hop. Est-ce que tu veux tester Naturezza maintenant, sous full power? Vas-y, go. Vas-y, go, c'est parti. Donc, on fait Naturezza. Dès que j'ai pris le but, parce qu'à mon avis, je vais prendre le but. Parce que là, Naturezza. Là, il s'est transformé en Super Saiyan, le Naturezza, là, c'est mort. Voilà. Dès que j'ai pris le but. Dès que j'ai pris le but, je te donne le ballon pour KHS directement et ça devrait être bon. Donc, crit argent pour Naturezza. On va voir ses stats à l'écran. Ça va s'afficher normalement. Il est à 37 543, donc c'est plutôt fort. On va activer le full power de notre côté aussi parce que voilà, c'est normal, hein, sinon c'est pas juste. Voilà. C'est vrai, il n'a pas les 3% de Vulcan, c'est vrai. Oh là là, crit doré, mais je pense que ça suffira jamais, à mon avis. Est-ce que. Un miracle! El Famoso! Zino! Oh oui, Zino! Oh là là, mais ce monstre! El Monstro Zino! Oh là là, incroyable!
Incroyable! Vous entendez pas King Kong, les gars, mais il était impressionné par la par la par, par el famoso Zino Hermano Poder. Bah là avec KHS du coup si tu peux. Hop, je viens vers toi, tac. Qu'est-ce que bah je fais un dribble, je fais un dribble blanc. Hop, hop, ça devrait le faire. Ouais, y a pas de souci. Je me suis mis en défensif pour pas que tu sois hors jeu. Ah mais incroyable ce Zino Hernandez. Oh là là, mais lui c'est pas Gueznandez, c'est El Fenomeno, littéralement. Littéralement El Fenomeno. Je suis impressionné. Bon, là on va passer à KHS. Ah là, King Kong. Il... Ah là 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 là. Ah, en plus on aura plus de full power toi et moi, je pense. Ah d'accord. Ok. King Kong me dit dans l'oreillette qu'il n'a plus le full power. Voilà les amis, je vous fais la traduction, vu que vous ne l'entendez pas, bien entendu, tout ça, tout ça. Ouais, voilà, c'est parti. Oh, c'est parti. KHS qui est juste à côté de El Famoso Gentile. Mais vraiment impressionné par ce Zino. Est-ce qu'il est plus fort que le V2? C'est la question. C'est le mec. Ah, j'avoue, j'avoue. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a tué quand même. Hein. Putain, qui arrive à repousser ça. Bon, il était en mauvaise posture, mais quand même, tu vois, il a été présent. Alors là, ça va pas rigoler parce que là, KHS, il va envoyer une praline là avec son tueur de joueur vitesse. Hop. Là, on voit qu'il a 35 000. C'est ça. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué contre ce KHS. Ce qui fait mal, hein. Il fait très très mal. Ouais, c'est vrai qu'il est son tueur de contre plutôt intéressant. Donc du coup, les stats affichées, t'es à 33 000 stats affichées chez moi. Bah du coup, on va tester, on va voir. Est-ce que Hermano Zino fait quelque chose? Je pense que ça rentre, à mon avis. Alors, je peux me tromper, mais je... Ah. Oh, Hermano Zino! Zino LR! Zino Gauthier! Aïe, 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 aïe! Zino Gauthier! Aïe, aïe, aïe! Bah voilà, j'ai plus de stamina, donc tu peux faire tourner un peu le ballon si tu veux. Et du coup, on va résumer la vidéo, bien sûr. Aïe, aïe, aïe! Mais Hermano Poder de Zino Hernandez! Oh là là, incroyable! Il crie du blé, les amis! Oh là 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 là! C'est incroyable! Il nous a fait vibrer, ce Zino! Oh là là, c'était... Oh là 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 là, oh, c'est magnifique, oh là là, c'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. Que dire à part que. Ah là là. Ah, même le Naturezza, ouais, c'est vrai qu'effectivement, le Naturezza, il l'a punché aussi, c'est incroyable. Et en fait, il n'y a que le Santana, en fait. Hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il était en mauvaise posture. Non, je veux dire, il a fait poteau. Donc le poteau l'a sauvé, mais après sur le reste il était présent Zino. Hein. C'est incroyable, crédible des Zino. Donc voilà, donc on va arrêter la vidéo là ici. Je vais pas faire durer plus longtemps la vidéo. Je tenais à remercier King Kong que vous entendez pas, mais il sera cité bien sûr. Bah, merci à toi en tout cas King Kong. Il sera dans la vidéo, donc je mettrai son nom, etc. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez vibré avec ce Zino, ce El Poder, Hermano, Incredible des Zizinho, tout simplement. Et je vous dis à plus tard les gens, et à la prochaine. Ciao, ciao.